Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, vous appelez d'où? De Njombe. Oui. D'accord, comment va Njombe déjà? Bien. Il faut dire qu'Njombe, c'est où on cultive, on plante beaucoup de plantains, c'est ça, bananeraie? Oui. Waouh, ça c'est extraordinaire. Ok. Quelle est votre préoccupation ce matin? Ma préoccupation, c'est que Dieu me donne un mari. Que Dieu vous donne un mari? Oui, d'accord. Hein? Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, d'accord. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Dites-moi, si Dieu vous donne un mari, comment vous allez le traiter? Dites-moi au moins cinq choses. Comment vous allez le traiter? Vous allez? L'aimer. Oui. L'accompagner dans les bons et dans les mauvais moments. Wow. C'est tout? D'accord, je veux prier avec vous, ok? Somali wa inadras praver inaros men adres bloclas man evali. Père, je prie au nom de Jésus pour le mariage dans la vie de notre fille. Seigneur, que cette année ne finisse pas sans qu'elle ne soit visitée. Allô? Allô, allô, écoutez-moi un peu, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus vous aime, vous comprenez? Oui, d'accord. Vous persévérez où? Persévérer de temps en temps à Rimanitre. Dans quelle ville? En Djombe? Non, je viens souvent à Douala pour Rimanitre. Présentement, je suis chez nous, donc je vis à Douala. Vous êtes où maintenant? Vous êtes à Douala? Je suis en Djombe présentement. Vous habitez Douala ou vous habitez Djombe? Ah, vous êtes en Djombe pour une semaine. Oui. D'accord. Père, je prie au nom souverain de Jésus que cette année ne finisse point. Que cette année ne finisse point que cet enfant n'ait été visité par toi. Qu'un signe fort, puissant lui soit donné. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Allô? Oui, est-ce que vous allez souvent au marché? Est-ce que vous allez au marché? Parce que j'ai vu. Est-ce que vous allez souvent au marché? En Djombe, est-ce que vous partez au marché? Pardon? Oui, d'accord. D'accord. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur Jésus est bon. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus est bon. Oui, il est très bon. Faites attention pendant que vous êtes en Djombe. Faites beaucoup attention. Faites attention. Parce que je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? Regardez, quand vous quittez votre maison, c'est dans le quartier. Votre maison est dans le quartier. Quand vous montez, vous sortez de votre maison, il y a comme un carrefour. Vous arrivez à un carrefour, il y a le goudron qui passe. Il y a un grand carrefour. Et au carrefour, il y a quelque chose comme les panneaux publicitaires-ci. Il y a un grand panneau publicitaire. Hein? Est-ce que vous voyez le panneau publicitaire dont je parle? J'ai dit, n'est-ce pas? Quand vous quittez de votre quartier, vous montez, vous arrivez, il y a comme le carrefour, il y a comme un carrefour qui donne au goudron. C'est-à-dire comme l'axe lourd qui passe, l'axe lourd. Je parle de l'axe lourd. L'axe lourd qui passe. Qui va à Douala ou Bafoussam, comme vous voulez. Oui, je vois. J'ai dit qu'en route là, il y a un panneau publicitaire. Oui. Il y a un panneau publicitaire à gauche, du côté gauche. Oui, je vois. Vous voyez le panneau publicitaire? Oui. Quand vous prenez le panneau, il y a un panneau publicitaire. La peinture même, il y a du jaune sur ça. C'est délabré, c'est vrai. Quand vous regardez à droite, le marché, c'est du côté droite. Si vous voulez aller au marché, vous partez à droite. Quand,
quand vous partez à droite, quand vous commencez à tourner pour aller à droite là, il y a comme un petit garage en route que vous traversez. Il y a un petit garage en route. Hein? Il y a un garage en route que vous traversez. En fait, je vais vous mettre en garde. Dans ce garage, dans le garage là, il y a un jeune homme qu'on appelle Dieudonné qui travaille dans ce garage. Hein? Qui est en train de crier là? J'entends les gens crier, c'est qui? Allô? Oui, qui est en train de crier? J'entends des gens crier à la maison là-bas. D'accord. Donc, dans ce garage, il y a un jeune homme là-bas qu'on appelle Dieudonné. Et je vous ai vu traverser le garage pour aller au marché. Et j'ai vu ce jeune homme en train de vous accoster, de vous faire la cour. Et je voudrais vous avertir que ce jeune homme n'est pas en santé. Première chose. Deuxièmement, c'est quelqu'un de compliqué. Il est dans la sorcellerie. Vous suivez? C'est pour ça que j'ai dit que pendant que vous êtes en Djombé, faites attention. Quand vous retournerez à Douala, l'Éternel Dieu vous donnera un signe. Le Seigneur vous visitera, ok? Que Dieu vous bénisse dans le nom souverain et puissantissime de Jésus-Christ. Amen.